jusqu'au 15 juin. Et puis après, on commence à tondre toutes les jeunes bêtes, les agneaux de l'exploitation, jusqu'à mi-septembre. Mais à mi-septembre, après, les bêtes qui sont tondues. Pardon, c'est là. Désolé. On les rentre. Et puis après, là, vers le 25 septembre, c'est-à-dire dans pas longtemps, parce qu'il y a une date fixe, le 25 septembre, on tombe tous les reproducteurs, quoi, tous les béliers reproducteurs qui ont été sélectionnés pour le salon de l'agriculture. La sélection, c'est jeudi, à Montmorillon, sur la Rache Charmoise. Et tout ce qui est présélectionné, on les tombe. Et après, nous, on choisit dans ce qui a été présélectionné début décembre pour les inscrire des petits musulmans au salon fin février. Voilà. Et tous les ans, vous avez à Paris. Oui. Quel est le critère de sélection? Alors, le critère de sélection pour la race charmoise, c'est la conformation. C'est des gigots. Enfin, vous le voyez sur cela, là, parce que sur les bêtes qui partent au salon, là, ça se voit. C'est des gigots bien rebondis, une tête un peu rose. Et puis un dos bien plat, mais là c'est des jeunes, hein. Ceux-là ils ont 5 mois. Et là c'est des agneaux qui ont 2 mois de vie. Et puis bon, alors après, dans les béliers adultes, parce que là vous avez des agneaux qui font 55 kilos à peu près, mais dans les béliers adultes qui vont au salon à Paris, c'est des bêtes qui font 127 à 135 kilos. Quoi. Donc là, je vais vous montrer comment. Alors la tonte, habituellement, ça se déroule de la façon suivante. C'est un bâtiment, nos 3 bâtiments comme ça servent pour les lisbas, si vous voulez, à l'intérieur. Et puis on le réaménage pour la tonte. Alors on met toutes les bêtes à tonde à droite, on les sert par l'autre 30 ou 40. Il y a une personne qui les attrape, qui les amène au tondeur, et on les relâche directement dans l'autre. Ça se passe de cette façon. Voilà. Une fois par an. Alors là c'est des agneaux. Là c'est un agneau, par exemple, c'est sa première tonte, il n'a jamais été tondu. Ça lui fait mal. On essaye de ne pas lui faire mal. On va peut-être en désigner un de. Du boulot, hein. Il s'obéit pas comme ça, je sais pas. Eh non. Je lui ai demandé, il veut pas les dresser les miens. Mais c'est ce que je disais, c'est que Hera, à l'instant, elle fait la même chose. Attendez, fini de tomber à dire. Hein? Attends. Thank you.
Alors, la méthode de tonte, c'est toujours le même enchaînement de position, et vous ne le voyez pas forcément, mais on lui bloque des nerfs pour l'immobiliser. Quand on commence, on fait le ventre, on met une patte derrière, ça l'immobilise. Après, quand on fait les gigots, on met le poing pour qu'il tende le gigot. Pareil pour la patte avant. Et ça lui bloque des nerfs pour l'immobiliser et pour lui tendre la peau aussi. Parce que ça, c'est des tondeuses professionnelles. Le moindre pli, ça va à 2500 va-et-vient minutes. Le moindre pli, vous l'ouvrez sur 15 minutes. Ah ouais. Voilà. Alors ensuite, c'est pas un métier. Alors la laine. On fait des sacs de 100-120 kg, là toute la laine est partie. Là. Parce que j'en avais conservé un pour la visite aujourd'hui. Oui, bien sûr. Comme c'était la dernière. Et toute la laine est partie. Alors nous, c'est un courtier en laine qui ramasse la laine. C'est une personne qui vient de la Haute-Vienne qui nous ramasse la laine. Et puis toute la laine européenne, même mondiale, ça part en Chine et au Japon. C'est les deux seuls acheteurs au monde. Toutes les marques que vous connaissez, Pingouin, Woolmark, et tout ça, c'est chinois. Il y a quelqu'un qui nous, on en fait une partie, parce que ma femme, elle fait faire quelques pulls, donc on fait laver. Ah ben ça, c'est pas... Ça, c'est de la laine d'agneau qui est brute. Ah, oui. C'est pas de la laine de brebis. Ça, c'est de la laine à rembourrer, la laine d'agneau. Voilà. Alors, nous, on en fait laver et filer une partie dans l'Allier. Et on a une personne du Cantal qui nous fabrique les piles, suivant des modèles. Le problème, si vous voulez, c'est que toute la... Nous, bon, on en vend des piles, mais c'est, je veux dire, nous, ça ne représente rien au niveau tonnage de laine pour nous. Parce que le problème de la filière artisanale française, c'est que... Si vous voulez, ça arrive à des prix exorbitants. À la fin, on n'est pas concurrentiel, quoi. Je veux dire. Un slip en Chine, c'est 80 centimes d'euros de l'heure. Pardon ? Pas la qualité de la laine, la qualité du travail. Ah oui, non, mais ça, c'est aux gens de comparer après. Mais bon, après, si vous voulez, il y a une clientèle pour tout aussi. Hein. Oui. Quand vous faites la tonte, vous entendez combien Une moyenne de 25-30 à l'heure. Ah, oui, mais il faut avoir le geste, hein. Une fois par an. Une fois par an. Voilà. Il faut avoir le geste. Il y en a 1000. Là, cette année, j'ai un copain tondeur qui est venu m'aider. Parce qu'avant, je faisais coucou, tout ça, mais j'ai eu une journée, j'ai eu une sciatique. J'ai un copain tondeur qui est venu m'aider. Mais sinon, les 1000 brebis, il faut 4 jours et demi. Ouais, je répartis. Pas à la suite, mais je répartis sur 4 jours et demi. C'est absolument indispensable. Oui, alors, c'est indispensable pour la simple et bonne raison, c'est que dans la laine, vous avez des parasites qui se mettent. Et au printemps, au premier coup de chaleur, qu'est-ce que fait une bête, quoi, un mouton, ça se gratte et ça finit par se mettre sur le dos. Et un mouton qui se met sur le dos, ça ne se relève jamais. Ça meurt en bout de 6 heures. Et c'est pour ça qu'au printemps, au premier coup de chaleur, on fait systématiquement, on regarde, on fait une tournée le matin complète des parcs, mais on passe 2-3 fois par jour, soit en voiture, soit en couette, pour voir les bêtes de loin, voir s'il n'y en a pas sur le dos. Et vous les relevez, oui. Non, parce qu'une bête, un mouton qui se met sur le dos, si vous voulez, c'est un ruminant.
Il y a les gaz de la panse qui font gonfler et ça finit par l'étouffer. Et entre ce moment-là et le moment où nous, on achète éventuellement les mots dans votre... Vous voyez, ah ben là, ça, c'est des agneaux qui ont 2 mois et demi, ça. Quoi, qui viennent d'être sevrés de leur mère. Mais bon, au maximum, ils ont 4 mois et demi, quoi. Ouais, au maximum, ils ont 4 mois et demi à 6 mois, les gens. Il y a combien d'étapes de quoi? De fabrication, de transformation. Là, il y a le lavage, le cardage, le filage, et puis après, après la mise en œuvre. Voilà. C'est pas du tout pareil en ce moment. Celui que vous avez tendu, là. Non. Un mouton, pour ça ait froid, il faut vraiment qu'il fasse entre 0 et 3 degrés et qu'il pleuve en même temps. Ah oui. Bah, merci beaucoup, monsieur. Bah, de rien. C'est sympa. C'est très gentil. Ça me prend l'humidité. Si vous voulez, des pluies comme aujourd'hui, ça ne gêne pas du tout. La laine est imperméable, vous ne le savez pas, mais la laine est imperméable naturellement. Alors, oui, c'est bien ce que vous dites, c'est que la laine, elle est imperméable. Et un mouton, bon, après, s'il tombe des grosses pluies, ça finit par le mouiller, mais par exemple, d'un temps comme ça, des agneaux qui sont fondus, là, ils sont secs à cette époque, à cette heure-là. Tandis que les moutons, la laine des autres, elle est pas encore sèche. Elle va mettre 5-6 heures s'il y a du vent à cette époque. La laine est imperméable. La laine protège de la chaleur. Oui, aussi. La laine protège du froid. C'est comme les isolations dans les maisons. Vous savez tout.